Bonjour, bienvenue à la brasserie graphique. Et alors la brasserie graphique, en fait, c'est une microbrasserie artisanale où on fabrique de la bière et dans une ancienne galerie d'art. Et l'idée, c'est de pouvoir brasser des bières et exposer des artistes et faire en sorte que les deux communiquent et se répondent. Je travaille avec une malterie bretonne et mes céréales sont entièrement bio et majoritairement cultivées en Bretagne. Alors pour illustrer, la première bière qu'on a sortie s'appelle la cartographie. On a une artiste basée en Belgique, Hélène Latelet, qui a créé une étiquette, imaginé une étiquette. Et on a un deuxième artiste qui s'appelle Clément Houry qui est venu exposer dans la petite galerie sur le thème de la cartographie. Et donc c'est une blonde ale, une bière équilibrée, pas amère, avec des notes de miel et d'agrumes que j'obtiens en faisant un mélange de trois maltes différents et trois houblons différents. Ensuite, nous allons travailler sur l'océanographie. Pareil, on a un artiste qui travaille sur l'étiquette. Et on va avoir un collectif de chercheurs qui vont venir exposer des photos océanographiques fonds marins, plancton. Donc l'océanographique, une tropical pale ale, qui est une bière qui s'approche du style IPA, où je fais un houblonnage accru de trois houblons qui viennent donner des notes de fruits tropicaux à la bière. Nous sommes à Carantec, au 22 rue Pasteur, et on s'accueillera avec grand plaisir.